Oh papa, achète-moi un jukebox. Oh 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 papa, lorsque j'aurai mon jukebox, je pourrai faire grâce aux amis. On fait de temps beaucoup d'économies, car ils mettront leur sous dans l'appareil à sous pour écouter et distresser les chaussettes noires Johnny Hallyday. Et le dimanche d'après, on prendra des billets pour aller voir Elvis Presley, les chaussettes noires Johnny Hallyday. Mais ils n'ont rien compris, elle est toujours là. Après tout, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas Dalida? Pourquoi pas Dalida? Car peu de vedettes de la chanson ont eu, il faut bien le dire, dans une carrière encore brève, autant d'admirateurs et autant de détracteurs. Et pour n'évoquer Dalida que le récital qui vient de s'achever à l'Olympia, rarement récital s'est préparé dans des conditions aussi difficiles, voire désagréables pour celle qui devait en devenir l'héroïne. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé que je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Je ne sais pas si je dois nommer ça cabale ou... Je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que dans la presse, il y a eu des choses terribles contre moi, très méchantes. Même je pense que personne n'a eu jamais une chose pareille. Je ne sais pas le dire le pourquoi. Je pense que tout artiste, toute vedette ont des gens... il y a certains publics qui les aiment et d'autres pas. Ils ont des gens pour et contre. Et les gens qui sont contre moi, c'est normal, on aime ou on n'aime pas. C'est normal. Ceux qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas mon genre, parce que, peut-être parce que j'ai un accent, parce que je ne chante pas des chansons littéraires, parce que c'est très populaire. Enfin, il y a un tas de points d'interrogation. Je pense que ces gens-là, ils ont trouvé le moment de se manifester, parce qu'il y a eu un moment critique dans ma vie que je me suis retrouvée toute seule. Et à ce moment-là, ils ont dit, bon, elle est toute seule, on peut l'attaquer, on peut y aller. Ça, c'est une supposition, tout simplement. Mais du moment que tout s'est arrangé pour le mieux, eh bien, ça va. Vous pensez donc vraiment que votre vie privée a pu avoir, notamment dans cette année qui s'achève, une influence sur le développement de votre carrière? C'est-à-dire pas vis-à-vis du public, parce que finalement le public, vous savez, il ne s'intéresse pas tellement, enfin j'espère, à la vie privée. Il s'intéresse un peu, mais je pense que c'est le minimum, c'est pas la majorité. Mais dans le métier, oui, c'est possible. Cependant, Dalida, j'ai vu au début de ce mois, sur un hebdomadaire à grand tirage, sur 8 colonnes, « Mes confessions par Dalida ». Ah, ça, mes confessions, vous savez, c'est un hebdomadaire que, comme tout le monde sait, c'est pas tellement, tellement sérieux. Et c'était pas... Ils ont abusé de ma confiance, parce qu'en principe, quand on fait des confessions, vous savez, ils doivent avoir un papier écrit en règle comme un contrat, tandis que là, ils ont été comme ça, tout simplement. Il devait y avoir 5 papiers, il n'y en a eu que 2, parce que dès que j'ai vu de quoi il s'agissait, j'ai fait arrêter ça tout de suite. Et ils étaient venus, enfin ils m'ont eu un peu à l'abus, ils étaient venus en disant qu'ils allaient faire des papiers sur mon travail sur l'Olympia, et puis c'était tout à fait différent. Dalida, j'aimerais un peu revenir en arrière maintenant. Oui. On a aussi dit de votre naissance et de vos origines bien des choses. J'aimerais que vous apportiez des précisions. Vous êtes née où et de quelle nationalité? Eh bien, je suis née au Caire, en Égypte, mais de nationalité italienne. Mon père et ma mère sont italiens. Voilà une chose précise et définitive. Oui, oui. Actuellement, d'ailleurs, je suis française. Comment êtes-vous venue à la chanson? Oh, il y a exactement 6 ans. Il faut dire que j'ai eu énormément de chance parce que je suis restée seulement un an comme ça, sans rien faire, si vous voulez, oui. Mais je n'étais pas du tout dans le métier, je ne connaissais personne. Et c'était seulement en 1956. J'étais comme tout le monde dans une audition d'amateur à l'Olympia. C'est là que j'ai rencontré M. Eddie Barclay et M. Lucien Maurice. Et ce sont les 2 personnages qui ont fait de moi, qui ont contribué un peu à ce que je suis. Vous avez eu un prix de beauté. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ma carrière. Pensez-vous être entre les mains de vos éditeurs qui choisissent pour vous des chansons en fonction de ce qui peut plaire à un certain public?
C'est-à-dire, on est un peu, pas en général dans les mains des éditeurs, parce que finalement, les chansons, c'est moi qui les choisis. On vient, on me montre des chansons, puis c'est moi qui choisis toujours. Et moi, les chansons, quand on me les présente, si je ressens un choc, elle est bonne. Enfin, sinon, c'est comme ça que je les choisis. Ou alors, ce sont des chansons vraiment qui racontent des histoires, qui sont des chansons de scène formidables. Ici, chez vous, dans cet appartement douillet où vous nous avez reçus, lorsque vous êtes toute seule avec vous-même, à quoi attribuez-vous votre succès? Oh, mais ça, c'est très difficile à dire, vous savez. Je ne sais pas, ce sont des choses que moi, je ne peux pas savoir. Je pense que peut-être vous devez le savoir mieux que moi, ou le public doit le savoir mieux que moi. Mais moi, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'il faut énormément travailler et qu'on n'a rien pour rien et que ce n'est pas vrai quand on dit qu'il y a des gens qui ont de la chance et d'autres pas, parce que tout le monde dans sa vie a un moment de chance, il faut savoir la saisir et il faut savoir la travailler. Je pense que c'est le travail, la réussite. Êtes-vous une vedette intéressée? Intéressée, comment? C'est-à-dire que je fais des choses pour gagner de l'argent ou... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien sûr, il faut gagner sa vie, c'est normal. L'argent... Tout le monde aime ça, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas l'argent. Mais je ne base pas ma carrière sur de l'argent parce que je trouve qu'une carrière, pour être surtout longue, il ne faut pas se baser sur l'argent parce qu'il y a des choses qu'il faut faire qui font bien à la carrière, qu'il ne faut demander pas un sou. Il y en a d'autres qui vont demander énormément d'argent parce que pour la carrière, ça ne sert à rien. Alors vous savez, c'est très... Un professeur d'université gagne beaucoup moins d'argent que vous. Pensez-vous que ce soit normal que pour un gala, vous gagnez autant d'argent? Écoutez, je ne sais pas si c'est normal, mais je pense que dans un gala, si on me donne de l'argent, c'est parce que ces gens-là qui me donnent cet argent-là, ils en ont gagné plus. Depuis 10 minutes, nous sommes ensemble. Il y a les caméras de la télévision. Êtes-vous sincère? Je pense que oui. Avez-vous oublié ces caméras? Oui, d'ailleurs je les regarde très peu. Alors, encore une question. Dalida, quels sont vos défauts? Oh là là, je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Sûrement, je vais avoir beaucoup de défauts. Ceux qui vous viennent. Mais il y a, enfin, qui est terrible, c'est que je suis énormément nerveuse, je suis très 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 nerveuse. Absolument, alors je peux exploser, et même en public, des fois. Ça s'est passé déjà? Oui, des fois, ça m'est arrivé. Rarement, mais ça m'est déjà arrivé. 2 questions encore, qui ne vont pas vous faire exploser, j'espère. Plutôt 2 noms. Le premier, Gloria Lasso. Oh, ça ne me fait pas exploser du tout, parce que Gloria Lasso, pour moi, elle ne m'a jamais rien fait. Je trouve que dans ce métier, il y a de la place pour tout le monde, même je trouve qu'on n'est pas assez, qu'il en faudrait encore en fabriquer des vedettes. Pensez-vous que dans 10 ans, il y aura encore Dalida sur les ondes et sur les écrans de la télévision? Écoutez, je ne sais pas, j'espère. En avez-vous envie? Je vais vous dire franchement, j'ai toujours aimé pouvoir le faire, c'est-à-dire me retirer à 35 ans. Là, j'en ai 27, je peux très bien le dire. J'ai 27 ans, c'est-à-dire dans 8 ans, j'aimerais bien me retirer parce que je trouve que je pourrais vivre une vie à moi et faire autre chose. Il y a tellement d'autres choses à faire que de chanter. Oui, mais alors pourquoi chantez-vous des chansons, disons-le, aux paroles aussi difficilement supportables, Kitsi Bitsi Petit Bikini? Ben, c'est-à-dire, c'est vous qui le dites qui sont difficilement supportables, parce que finalement, c'est le public qui a toujours raison. Et si vous dites ça, vous ne m'attaquez pas moi, vous attaquez vous, les gens, parce que cette chanson-là est devenue numéro 1 dans le monde entier. Quel est votre public? Mon public, eh bien, je pense que c'est un peu de tout. Il fait d'un peu de tout. D'ailleurs, actuellement, mon répertoire, il est très varié. Aimez-vous chanter? Oh oui, bien sûr, sinon je ne pourrais pas faire ça. Alors, l'année 62, qu'attendez-vous d'elle? Eh bien, je pense, j'espère que, point de vue carrière, elle soit comme celle de 61, même mieux, mais qu'elle soit quand même moins tourmentée et moins, comment on dit... Agitée. Moins agitée, exactement.